Bonjour et bienvenue dans votre émission de prière quotidienne. J'ai encore le plaisir de recevoir notre invité Yanis Gauthier. Merci d'être là, Yanis. Merci de m'avoir invité. Merci pour ton ministère et on passe vraiment une semaine formidable avec des instructions vraiment fortes qui viennent toucher nos cœurs. Et si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'écouter les émissions précédentes, vous pouvez le faire à tout moment, bien sûr, soit la chaîne EMCI TV ou sur la chaîne EMCI sur YouTube. J'ai le témoignage aujourd'hui très court de Joseph qui simplement rend grâce à Dieu suite à la prière en live en fait le 11 juillet, donc c'est déjà il y a longtemps. Et il nous a écrit dernièrement avec le révérend Raoul Wafo qui a parlé d'une personne qui vivait dans une situation irrégulière en France. Et donc voilà, il est reconnaissant parce qu'il a été régularisé et il rend simplement grâce à Dieu. Je sais que plusieurs d'entre vous, vous passez par là, des situations comme ça. Et aujourd'hui, on va parler de la prière qui est la clé du miraculeux. Et il y a un verset que j'aimerais vous lire dans Amos. Alors, on dit souvent que je trouve des versets un peu partout dans la Bible, et entre autres dans l'Ancien Testament. J'ai un ami qui rit beaucoup avec ça. Mais la parole, elle est complète. Et on peut y puiser ici et là, un peu partout. Il y a toujours quelque chose de bon dans la parole de Dieu. C'est pourquoi j'aime la parole et je tiens à vous encourager vraiment à la lire chaque jour. Lisez chaque jour. Personnellement, je l'ai déjà dit, je ne suis pas quelqu'un qui va lire la Bible pendant des heures, même si des fois, peut-être, il faudra le faire, avoir des temps particuliers. Mais par contre, je lis la Bible tous les jours. Et c'est important de le faire dans vos vies personnelles. C'est une fondation tellement solide. À tout moment, vous vous retrouvez dans le désert, même sans Bible, le fait de l'avoir lu tous les jours, elle est en vous. Elle est en vous. Et il faut qu'on soit enraciné dans sa parole. Dans Amos au chapitre 7 et au verset 14, Amos va dire quelque chose, il est drôle. Il dit « Je ne suis ni prophète, ni fils de prophète, mais je suis bouvier et je cultive des sycomores. L'Éternel m'a pris derrière le troupeau et l'Éternel m'a dit « Va, prophétise à mon peuple d'Israël. » C'était un paysan, un agriculteur. Et Dieu l'a pris là. Et pour entrer dans le miraculeux, c'est pas une question de qui on est ou de qu'est-ce qu'on a fait avant ou si on est pasteur ou je ne sais qui, prophète. Il dit, moi, je suis bouvier, je m'occupe d'animaux, de sycomores. Je suis un agriculteur. Mais Dieu m'a parlé et il m'a pris et il m'a appelé. Et dans la prière, ce qui est vraiment merveilleux, c'est que Dieu ne regarde pas l'enveloppe. Il ne regarde pas aux erreurs. Il ne regarde pas à notre CV, qu'on en est ou qu'on n'en est pas. Tu disais hier ou cette semaine que quand tu as voulu faire ce collège biblique, il fallait un bac. Un bac. Et tu ne l'avais pas et Dieu t'a formé. Un bac moins 5. Bac moins 5. Dieu t'a formé lui-même. Et c'est ça, il nous prend tel que nous sommes. Et dans la prière, il nous prend homme ou femme. Je sais que plusieurs, d'ailleurs, dans le corps de Christ, ont beaucoup de difficultés et combattent un sentiment d'infériorité. Ils se voient beaucoup et le diable attaque beaucoup à ce sujet de l'estime de soi. Et c'est souvent ce qu'il va utiliser pour amoindrir notre force spirituelle dans la prière. Et ce qui est merveilleux, et j'aimerais simplement le rappeler en introduction, c'est que qui que vous soyez, à partir du moment où vous avez un cœur pour le Seigneur, la prière, elle amène dans le miraculeux. La prière change les choses. C'est la prière du juste qui est d'une grande efficacité. La prière fervente du juste fait avec foi, avec ferveur. C'est pas une question forcément d'intensité de la voix, même si parfois oui, ça va. Vous allez devoir crier ou déclarer ou chanter de toutes vos forces. Mais des fois aussi, c'est une simple parole. Il faut que ça vienne du cœur, tout simplement. Et donc aujourd'hui, on va parler de cette prière qui est la clé du miraculeux. Oui, il y a ce que l'homme peut faire et puis il y a ce que Dieu surtout fait. Et ça me fait rire un petit peu ce que tu disais au niveau du collège biblique. Parce que il n'y a pas longtemps, mon épouse a dit à ma fille « Bon, aujourd'hui, je ne peux pas faire tes devoirs, tu vas faire les devoirs avec papa. » Ce n'est pas la première fois qu'elle me fait ça. Et puis, je l'appelle, bon, elle a 10 ans, et elle s'appelle Eden, et je l'appelle, je dis « Bon, va faire tes devoirs. » Et puis, je m'approche d'elle, je vois, elle est en train de pleurer. Je dis « Mais pourquoi tu pleures ?» Après, elle se tourne vers sa mère, elle dit « Oh, papa, il n'a pas été à l'école, je ne sais pas. » Et là, je lui dis « Oui, je n'ai pas été à l'école, mais Dieu m'a donné l'intelligence. Et regarde, j'ai écrit au moins 6 livres, donc je peux t'aider à faire tes devoirs, ma fille. » Enfin, c'est tellement... Finalement, je crois qu'on n'est pas appelé, en tant qu'enfant de Dieu,
à vivre des choses qui sont humaines, purement humaines. On est appelé à expérimenter le divin au quotidien. Et c'est tellement beau de toujours s'attendre à Dieu, finalement. Mmh. On doit toujours s'attendre à Dieu. Et on pourrait faire 10 émissions où je pourrais te parler des choses, des grandes choses que j'ai vécues, expérimentées de la part de Dieu. Mais j'aimerais juste commencer par un point, c'est Dieu fait toujours au-delà de tout ce qu'on imagine. Nous, on est rationnels, hein. On demande des petites choses à Dieu alors que Dieu est venu nous donner des grandes choses. Enfin, Seigneur, donne-moi un petit bout de pain alors que Dieu, il a la baguette pour nous. J'ai ce texte dans Actes 3 où il est question d'un boiteux de naissance. Mm. On le place devant le temple et tous les jours, il fait l'aumône. Et il n'y a pas de services sociaux à cette époque. Les gens sont laissés pour compte, ils sont tributaires du bon vouloir des habitants. Et pour lui, c'est la galère, quoi. C'est la misère. Tous les jours, il est obligé de se battre, pas pour survivre, oui, pour survivre, obligé de se battre pour survivre. Et tout à coup, il voit Pierre et Jean qui arrivent, qui vont louer. Et puis, tout à coup, il y a Pierre qui lui prête attention. Et je suis sûr, le boiteux, dans son cœur, ça devait battre la chamade. Waouh, voilà quelqu'un qui s'intéresse à moi. Aujourd'hui, je vais pouvoir manger une poutine. Poutine, comme on est au Canada, c'est la spécialité. Et Pierre va lui dire, j'ai pas d'argent. C'est le seul plan pour... Et là, son cœur, il a dit, ah mince, pas d'argent, pas de nourriture. Et Pierre, il va dire, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'or, mais ce que j'ai, attention, je te le donne au nom de Jésus, lève-toi et marche. Wow, cet homme se leva d'un bond. Il commença à sauter, à louer, à adorer le Seigneur. Il s'attendait à recevoir quelques pièces. Il a reçu une paire de jambes de la part de Dieu. Amen. Dieu fait toujours au-delà. Et toi qui nous regardes aujourd'hui, qui assistes à cette émission, quel que soit ton besoin, j'aimerais te dire que Dieu va faire au-delà. Ne limite pas Dieu. Dieu va faire bien au-delà de tout ce que tu imagines, de tout ce que tu penses, de tout ce que tu souhaites. Dieu va se manifester d'une manière miraculeuse dans ta vie. Je le crois parce que je l'ai vu dans ma propre vie. Je viens d'une une personne qui n'était pas chrétienne d'ailleurs. Et son fils était ami avec mon enfant. Et cette personne, 35 ans, est atteinte d'un cancer. Et un cancer qui se généralise jusqu'au cerveau. Et elle m'a envoyé un mail. C'était littéralement un testament. Son mail, c'était un testament où... indirectement, elle me demandait de veiller sur son enfant parce que avec son mari, c'était très, très compliqué. Les médecins l'avaient placée en soins palliatifs et elle rentrait chez elle de temps en temps le week-end. Mais voilà, elle va mourir. Et une fois, je dis au copain de mon garçon, écoute, si ta mère rentre un week-end, amène-la à la maison. Et l'opportunité se présente, j'ai cette femme qui est à mes côtés, c'est la peau sur les os. Et je commence à lui parler, je lui parle de Dieu, je lui parle des miracles, des guérisons que Dieu a opérées au sein de ce monde d'aujourd'hui, de ce que j'ai vu dans ma vie. Et elle est très, très réceptive. Et à la fin, je lui dis, madame, permettez-moi juste, avant de vous laisser, de prier pour vous. Petite prière. Je pose ma main sur elle, je fais attention parce que très fragile, je lève ma main vers Dieu et je dis, Père, s'il te plaît, guéris-la totalement, des pieds à la tête. Je proclame une guérison totale et complète. Jérémy, cette femme est totalement guérie aujourd'hui. Sortie en rémission, elle a repris son travail, elle a repris une vie sociale. Dieu a fait un miracle. Dieu est bon. Tellement de belles choses, tellement de grandes choses qu'on voit... de la part de Dieu, il est dit dans Marc 11, verset 24, c'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demandez en priant, tout ce que vous demandez. Mm. Ah, question d'une chose, tout ce que vous demandez, en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Je crois que le temps des miracles n'est pas révolu, le temps des miracles n'est pas fini. Et on voit parfois que dans la Bible, il y a le temps de l'homme
et puis il y a le temps de Dieu. Je pense par exemple à cette femme encore malade, la femme à la perte de sang dans Marc 5, versets 24 à 34, où il est question que cette femme a souffert pendant 12 longues années. 12 longues années. Et elle a cherché des solutions partout. Et elle a été voir des charlatans qui ont profité d'elle, qui ont abusé de cette situation pour lui soutirer le peu d'argent qu'elle avait. Et ça, c'est quelque chose d'important de voir qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont besoin d'un miracle, mais qui ne savent pas attendre le temps de Dieu. Et pour essayer de répondre à ce besoin, ils vont partout, quoi. Parfois, ils vont voir des sorciers. Est-ce que tu n'as pas quelque chose pour moi, un gris-gris? Qu'est-ce que tu ne peux pas faire une petite incantation? Dès qu'ils entendent le mot « guérison » ou… Je ne parle pas forcément d'une maladie physique, hein, mais dès qu'ils entendent voilà, quelque chose qui peut répondre à leurs besoins, ils courent, ils ne sont pas affermis dans la parole. Moi, je me souviens de ma belle-mère qui, oui, on avait une vie compliquée, elle était seule, des enfants, la pauvreté, le chômage, son fils qui est en prison, et elle fréquentait une diseuse de bonne aventure. Et à chaque fois qu'elle allait voir cette diseuse de bonne aventure, eh bien, cette femme lui prenait son argent et elle avait toujours des bonnes paroles à lui donner. Tout ira bien, vous allez vous marier, vous allez avoir un travail, vous allez devenir riche, votre enfant va sortir de prison. Mais ça, c'était des mensonges. La réalité, c'est qu'elle a été malade, elle n'a jamais trouvé un travail stable, son fils a fait 19 fois de la prison. Et c'était terrible de voir que ma belle-mère était accrochée à un mensonge, Et moi-même qui ai vécu quand même dans des conditions très difficiles et que j'ai connu la drogue, j'ai connu la violence, j'étais quelqu'un de pas bien. Et j'avais gardé cette idée, cette relation de ma belle-mère avec la diseuse de bonne aventure au fond de mon cœur. Et d'ailleurs, quand j'étais petit en Côte d'Ivoire, au village, il y avait souvent un sorcier qu'on appelait Colombo. Il terrifiait tout le monde. Et tu sais, on se racontait des histoires d'enfants. On disait, cet homme-là, il a du pouvoir. Il a une lampe à huile. Là, quand il met la lampe à huile sur toi, il va te jeter un sort. Quand tu le vois dans la cour, il se transforme en crapaud. Bref, il y avait plein d'idées qui étaient là et qui donnaient un sentiment de toute puissance à sorcier. Alors, quand moi, j'ai eu mes problèmes, mes difficultés, mes combats, mes luttes, mes addictions, etc., eh bien, en France, il y a toujours une petite carte de visite de Mamadou Koulibaly qui rendez-vous, c'est gratuit, vous allez retrouver tout ce que vous voulez, vous allez voir. Ah, la carte, j'allais voir le Mamadou. Mamadou, j'ai des problèmes, comment on fait? Mamadou, il me donne un gris-gris, un petit talisman là, et puis je lui donne de l'argent. Mais Jérémy, ce talisman là, il ne me portait pas bonheur, il me portait la poisse. Je me suis fait poignarder, tirer dessus plusieurs fois, bref. Ma dernière, c'est encore pire qu'avant, quoi. À un moment donné, j'ai regardé ce talisman, j'en veux plus. Il me porte pas bonheur, ça. Ça me porte malheur. Et cette femme, c'est ce qu'elle a vécu. Elle s'est fait dépouiller. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as besoin d'un miracle. Tu as été frappé à plein de portes et tu vois que finalement, ta situation ne s'arrange pas. Ton foyer, c'est compliqué. Ton mari ne change pas. Tes enfants sont perdus. Ta situation ne s'améliore pas, quoi. Peut-être c'est ta santé. Peut-être c'est dans un domaine professionnel. Je ne sais pas quel miracle tu as besoin de Dieu, de la part de Dieu. Mais tu es là et tu es perdu. Tu es perdu parce que tu es dans la confusion, parce que tu ne prends pas du temps dans la présence de Dieu, tu n'attends pas le temps de Dieu, tu cours partout. Cette femme qui souffrait, à un moment donné, tout va changer pour elle. Elle va entendre parler de Jésus. Jésus passe par là, Jésus est dans la place. Et normalement, cette femme qui perd son sang ne doit pas entrer en contact avec le peuple, elle est impure, elle est considérée comme une paria. Voilà, elle est condamnée à vivre dans le retranchement et pour elle, c'est l'opération de la dernière chance. Elle sait que si elle ne rentre pas en contact avec Jésus, c'est fini pour elle. Alors, elle va braver les interdits. Quitte à me faire lapider, il faut que je vienne vers Jésus. Il faut que je le touche, il faut que je saisisse ma guérison. Cette femme va rentrer là, dans la foule et elle va toucher le Seigneur. Et quand elle touche Jésus, Jésus se tourne, qui m'a touché? Les disciples sont là, mais il y a la foule qui te presse, tout le monde, il y a des milliers de personnes qui sont là et tu dis, qui m'a touché? Oui, mais non, c'est pas pareil. Parce qu'il y a plein de gens qui gravitent à l'église autour de la parole de Dieu, mais qui ne croient pas ce qu'ils lisent.
Parfois même, ils prient pour un miracle, mais dans leur cœur, ils ne sont pas convaincus que Dieu est capable de faire un miracle. Et c'est peut-être ta situation. Tu vas à l'église, Seigneur, fais un miracle. Mais dans ton cœur, il y a comme un doute, il y a comme une incrédulité. Il y a du monde autour de toi. Tu es là parmi la foule, tu gravites autour de Jésus, mais tu n'as pas encore saisi Jésus par la foi. Le toucher, la foi, fait la différence, déclenche le miracle dans ta vie. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour cette femme. Quand elle a touché le Seigneur, elle a obtenu sa guérison. Et moi, un jour, pour revenir à moi, eh bien, j'ai réalisé que finalement, le diable n'avait pas de projet pour moi, si ce n'est des projets de malheur, qui n'étaient pas capables de changer ma vie, qui n'étaient pas capables d'accomplir un miracle. Alors, ce jour où j'ai réalisé tout ça, j'ai déclaré faillite et j'ai commencé à décréter tout ce que la parole de Dieu disait à mon égard. Dieu était capable de me changer, Dieu était capable de me faire passer de la mort à la vie, capable de faire de moi un homme nouveau. Et tu sais quoi? J'ai vécu tellement de grandes choses de la part de Dieu, tellement de belles choses, tellement de merveilles de la part de Dieu. Et aujourd'hui, peut-être, il serait temps pour toi de te concentrer sur le Seigneur, de t'attendre à lui avec une foi ferme. Dieu peut faire au-delà de tout ce que tu imagines, de tout ce que tu penses, de tout ce que tu espères. La médecine t'a peut-être condamné. Et peut-être à cause de cette situation que tu traverses, le diable est là pour te mentir, pour essayer de glisser des mensonges subtilement dans ton cœur pour te dire « il n'y a plus rien à faire ». C'est pas la peine de prier, c'est pas la peine de lire la Bible, c'est pas la peine d'attendre quelque chose de la part de Dieu, c'est mort. J'aimerais te dire que le diable, c'est un menteur. Il y a une personne, Job, dans la Bible, qui avait tout perdu, connaissait peut-être sa vie. Et alors qu'il est là, allongé au sol, qu'il se gratte la peau avec des tessons de bouteille, que la mort semble arriver pour le prendre, sa femme, son appui, le regarde et lui dit « Maudit Dieu et meurs. Maudis-le, renie-le ton Dieu et quitte la terre. » C'est terrible de voir combien l'ennemi peut être méchant, combien l'adversaire essaie de nous briser lorsque nous sommes à terre. Il utilise notre désespoir, la situation dure et compliquée que nous traversons pour nous achever et nous dire « c'est plus la peine, c'est mort ». Il veut nous enfermer dans le tombeau de la résignation. Et c'est peut-être ton cas aujourd'hui. Tu es dans une grotte, dans un tombeau, dans un cercueil. Tu n'en peux plus. Il n'y a plus d'espoir dans ton cœur. J'aimerais te dire quand même que Job connaissait son Dieu. Il va dire à sa femme « moi, je sais une chose ». Paraphrase un peu, mais certainement qu'il lui a dit « peu importe si j'ai tout perdu, peu importe même si je perds ma santé, si la mort arrive pour me prendre, je sais une chose, que cette situation ne serait ôtée, enlevée de mon cœur, que le diable même ne serait détruire. Cette vérité, c'est celle-ci, mon Rédempteur est vivant et c'est lui et lui seul qui aura le dernier mot sur ma vie. » J'aimerais te dire que le Rédempteur de Job, il est vivant et c'est ton Rédempteur. Et lui seul, aura le dernier mot sur ta vie. Et quand Dieu décide d'accomplir un miracle, il ne va pas t'envoyer un fax, non. Les miracles se déclenchent. La Bible dit tous les matins, la bonté de Dieu se renouvelle. Chaque jour, aujourd'hui, tu peux t'attendre à Dieu. Quel que soit ton état, ta situation, tu peux t'attendre à un miracle de la part de Dieu parce que c'est à lui et à lui seul que revient le dernier mot. Oui, le mot de la fin lui appartient. Alors fais-lui confiance. Tant que Dieu n'a pas dit stop, continue d'y croire. Continue de l'invoquer parce que le temps des miracles n'est pas fini et Dieu fait toutes choses belles en son temps. Amen. Alléluia. Et je crois que c'est un temps de maintenant pour que vous puissiez recevoir effectivement ce miracle, cette guérison, cette délivrance dont vous avez besoin. La Bible déclare « Tout don excellent et tout cadeau parfait viennent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre
de variation. Nous savons que Jésus-Christ est le même hier, lorsqu'il était sur la terre en train d'accomplir des miracles de la part de Dieu, de briser les jougs de l'ennemi. Il est le même aujourd'hui. Il n'a pas changé, c'est toujours son désir. Et les cadeaux, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. C'est la grâce qui vient de Dieu. Ils sont là, ils sont disponibles. Et je crois qu'en ce moment même, il y a des cadeaux qui descendent de la part du Père. Oui, et ils sont donnés, il est en train de les distribuer pour que vous puissiez être guéris, pour que vous puissiez être sauvés, pour que vous puissiez être libérés. C'est pourquoi, au nom puissant de Jésus-Christ, oui, Père, nous ordonnons à toute maladie de vous quitter maintenant. Merci. Nous ordonnons à Satan de vous lâcher maintenant. Tout esprit impur, tout esprit mauvais, maintenant, de vous quitter complètement dans le nom de Jésus-Christ. Nous déclarons votre libération totale de la tête aux pieds, comme cette femme qui a été guérie. Soyez guérie, soyez libérée complètement dans le bien-aimé. Que la puissance du Seigneur Jésus-Christ se manifeste maintenant, ô Dieu, par des signes, des miracles, maintenant, des guérisons extraordinaires. Merci Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus, ce joug est brisé, ce joug est cassé. À cause du nom de Jésus-Christ, non pas à cause de nous, non par force, non par puissance, à cause de lui. Nous proclamons le nom de Jésus-Christ, le sang de Jésus qui purifie. Parce que parfois, les situations arrivent parce qu'on a ouvert une mauvaise porte à l'ennemi. On a fait quelque chose, on a haï quelqu'un, on a détesté, on a fait le mal, on a volé. Et la porte peut être fermée par la repentance. Et plusieurs d'entre vous, vous sentez dans votre cœur, à chaque fois que vous pensez à votre situation, ça vous revient à quelque chose que vous avez fait. Et je ne parle pas ici de l'esprit de condamnation, de culpabilité qui vient de Satan pour vous écraser, mais plutôt de cette correction. Dieu qui vous dit, le problème est là. Et s'il met en relief le problème, c'est pour vous relever. Et peut-être quelqu'un a besoin de demander pardon aujourd'hui. Pardon pour quelque chose que vous avez fait. Pardon parce qu'il y a une porte qui a été ouverte. Et vous le savez dans votre cœur, vous n'avez pas besoin de chercher au fond de vous, de scruter à l'intérieur. Si seulement le Saint-Esprit met cette chose dans votre cœur, simplement vous pouvez le délaisser, le confesser et recevoir cette guérison, recevoir cet exaucement. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Gloire à Dieu. J'ai cette image d'une personne qui est complètement désespérée, démolie. Un peu comme Élie qui rentre dans une grotte et qui attend la mort. Et quand le Seigneur vient le voir, il dit, je suis resté moi seul. Et tu es peut-être dans cet état, tu es dans une grotte. Et le Seigneur te voit et te pose une question. Mais qu'est-ce que tu fais dans cette grotte? Qu'est-ce que tu fais dans cet état? Tu n'es pas seul. Pourquoi? Pourquoi tu as permis à tes doutes? De saper ta foi. Pourquoi à cause de tes craintes? Pourquoi à cause de ta situation? Tu m'as tourné le dos. Tu as pris la fuite. Le Seigneur vous dit en ces instants qu'il est temps pour vous de vous approcher de lui. De lui demander pardon. Parce que douter de Dieu est un péché. C'est une remise en question profonde de son amour et de sa fidélité. Alors demandez pardon au Seigneur et commencez dès à présent à renouer une relation avec lui, à lui faire confiance. Il est présent, il n'abandonne pas ses enfants, il n'oublie pas ses alliances. Vous êtes ses enfants. Il vous aime et ne vous oubliera jamais. Ne vous abandonnera jamais, ne vous délaissera jamais. Il est d'une fidélité sans faille. Seigneur, merci pour toutes ces personnes à qui tu as parlé. Merci parce que ta confiance, Seigneur, se manifeste dans leur cœur, Seigneur. Oui, la relation est rétablie, reconstruite. Oui, Seigneur, nous devons te faire confiance. Alors, parle, interpelle, convainc, Seigneur, que tes enfants puissent comprendre la réalité de ta présence dans leur vie
Seigneur, il n'y a pas un mot dans ta parole que tu n'es pas capable d'accomplir. Il n'y a pas une promesse que tu n'es pas capable d'accomplir. Tu es le Dieu des miracles, Seigneur. Et les miracles sont au bénéfice de ceux qui croient en toi, Seigneur, de ceux qui te font confiance. Alors je proclame qu'en ces instants, alors que la confiance est rétablie, que les miracles se déclenchent instantanément dans leur vie, Père, dans le nom puissant de Jésus. Mmh. Et j'annule tout esprit de mort que Satan a réussi à insérer dans les cœurs. Je détruis tout esprit de fatalité, toute chose qui est contraire à ta volonté. Je proclame la vie, Seigneur. Je proclame, Seigneur, qu'aujourd'hui, Seigneur, la foi est renouvelée, la foi est boostée, affermie dans ta parole et pas dans la parole d'un homme, d'un sorcier, d'une quelconque espérance qui fait partie de ce monde. Non, toi et toi seul, parce que tu es le Dieu de l'espérance. Merci, mon Dieu, parce que je crois également, Seigneur, que tu vas te servir de cette situation pour manifester ta gloire, ta puissance, Seigneur. Tu vas faire au-delà, Seigneur, bien au-delà de tout ce que nous pouvons espérer ou souhaiter, Seigneur. Que ta grandeur, Seigneur, soit probante dans chaque vie et dans chaque aspect de notre vie, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Si vous êtes malade, nous déclarons, soyez guéris. Soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Et Yannis a parlé de plusieurs choses, entre autres de tout l'aspect de l'occultisme. Et si vous avez ouvert une porte par rapport à l'occultisme, faites des choses. Si vous avez chez vous des gris-gris ou toutes sortes de choses occultes, ne laissez pas ça chez vous. Même si ça vaut de l'argent, débarrassez-vous-en, mais aussi débarrassez-vous de l'esprit qui est attaché à ces choses. Ne vous fiez pas à tout esprit, parce que ce n'est pas tous les esprits qui viennent de Dieu. Alors au nom de Jésus-Christ, faites le ménage si vous avez à faire le ménage, surtout devant Dieu. Faites le ménage dans votre cœur et demandez pardon au Seigneur d'avoir accepté cet esprit, d'avoir fait cette alliance ou d'avoir eu recours à l'occultisme ou à une quelconque chose qui est satanique. Faites la paix avec Dieu. Nous vous bénissons au nom de Jésus. À demain dans Prière Inspirée.